arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus de tipeee de Sabreku, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur le 2.6. Avant que la vidéo commence les gars, je sais que ce genre de vidéo est beaucoup regardé et beaucoup demandé. Donc si vous voulez que je fasse une autre épisode, vraiment abonnez-vous les gars, parce que je sais que là, dans la dernière vidéo par exemple, il y avait 1700 vues, un truc dans le genre, et j'avais genre peut-être 15 abonnés qui ont regardé la vidéo, donc s'il vous plaît abonnez-vous de ceux qui regardent cette vidéo, ça me soutient de ouf et ça me donne envie de faire plus de contenu comme ça. Et puis voilà, trêve de bavardage et partons dans la toute première game de cette vidéo, explication 2.6 contre Ojun. Ok, on va splitter squelette d'abord pour commencer. Pas de précipitation, on peut mettre un petit cochon. Allez, petit cochon, il met un B-Dragon très bien. On va aller cycler le golem de glace en fond du terrain pour que quand le B-Dragon arrive, il focus le golem de glace. Pour que la tour puisse le dépop tranquillement. Ok, main comme d'exir. On a le canon. On éparpille bien, c'est très important. Éparpiller le canon et la mousquetaire pour, voilà, pour typiquement s'il y a une foudre, ne pas se faire avoir. Parfait. Ça m'a pile poil donné l'exemple type. Là, on met une bonne bûche. Et voilà. Alors là, ce qu'on peut faire, au lieu de mettre tout d'un côté, on met une de glace d'un côté pour protéger. Et on met le opposé, on met le cochon. Comme ça permet de split les dégâts. Et si là, et si l'autre chose, ça me va. Ça me va très bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit canon. Ok, ça c'est chiant. C'est pas grave. Donc comment faire tourner? Bon, on peut se sacrifier l'esprit. Et là, on met le gun de glace ici. Regardez. En fait, sur la... Vous voyez, il y a deux tours. Enfin, il y a genre deux côtés au niveau de la tour. Et tu peux... Il y a un côté. Si la troupe est là, vous le mettez là. Et si la troupe est là, vous le mettez là. J'espère que c'était clair. J'essaie de faire le plus clair possible. Allez, mon petit cochon ici, tranquillement. Ok, la guérisseuse. Un gun d'exir PK. C'est rare. Ok, bon alors là il va se mettre un gomme d'ex sur le pont. Il a pas assez d'ex. Je vais essayer de... Encore une boule d'œuf. Voilà. Je me suis dit, c'est exactement pour ça que je veux boule d'œuf. Je me suis dit, ah, je crois qu'il a une food, non? Parfait. On a appris qu'il y a quand même que tarif, hein. Attention. Ok, on va cycler le cochon. Alors la technique c'est, on met le boule de glace là. Le cochon derrière. Et là, regardez. Le cochon qui va juste rester derrière le gun de glace, comme ça s'il met un PK, bah il va simplement focus le gun de glace. Et ok, on va mettre une petite bûche. Ok, on décale le canon d'un côté d'une case, voire simplement... Oula. Ok, alors on va laisser le... ça là. Ah, attendez, je me concentre deux petites secondes. Ok, c'est bon. Ça défend. Parfait. J'ai pas vu qu'il restait si peu d'HP, j'aurais mis un cochon opposé, mais c'est pas grave. On a réussi à défendre. Vous voyez que Gun d'Elixir PK est défendable. Voilà, c'est exactement comme ça que fait le jeu game. S'il y a une foudre, on n'hésite pas et bien éparpiller le canon et la mousquetaire pour pas qu'il y ait de foudre value. Le dragon électrique, on le boule d'œuf, on essaie de tuer plus rapidement aussi parce que c'est ce qui a posé le plus de problèmes. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est parti pour le madness. Okay. Ok, mes dégâts rouges, très bien. On peut cycler nous ce que t'as en fond du terrain. C'est mon élixir froid, normalement il n'y a pas trop de danger. Non mais frère, je dis ça frère, je me tape un mec qui joue. Voilà, cimetière first play. Ouais, on va prendre très cher hein, sur le premier push, malheureusement. On n'a pas eu de chance, cimetière first play, j'ai pas l'abonnement de départ. J'espère qu'il a pas de tornade. On va mettre les squelettes derrière au cas où il y a une tornade. Ah ouais, mes frères, c'est de l'abus, là. Ok, on va mettre deux coups, peut-être trois. Non, trois, deux coups. Alors, le placement de canon, il me semble que c'est ça. Et...
Je crois que j'ai réussi l'emplacement. Ah, j'ai pas réussi, putain. Non, frère, mais pas de cimetière. Ah, t'es relou. Ah, t'es giga casse-couille. Ouais, malheureusement, on va perdre la tour. Ah, cimetière, c'est un match-up très compliqué. Hein. On va pas se le cacher. Cimetière, c'est un match-up très compliqué. Ok. On va mettre le petit cochon ici. Même s'ils me sont polis, c'est pas trop grave. Il y a un mousquetaire qui va essayer de le dépop le plus vite possible. Malheureusement, être Kaku, par contre, ça c'est chiant. Son bougie, ce qui va poser problème. Hein. On va pas se le cacher. Ouais, là, il faudrait que je recycle un cochon le temps que qu'il a pas encore son cimetière. Je pense que ça serait carrément la meilleure solution. Oh, les cimetières. Oh, les cimetières misplay. Oh, let's go, le cimetière. Misclick, ça c'est parfait. Parfait, le cimetière qui est misclick, ça c'est parfait pour nous. Ça donne une occasion de nous rattraper, c'est pas trop mal. Un peu boule de feu, hein. On peut se permettre de boule de feu. Là, il va falloir commencer à mettre un maximum de dommages si on veut commencer à pouvoir prendre la tour. Ok, on a la bûche. On a le canon. Ok, il a un gel en plus. Oh putain. Il a un gel et tout, genre. Ok, ça va. On n'a pas pris trop cher. Le problème, c'est son police qui me fait chier, là. Le police, c'est chiant. Un petit coup, s'il te plaît. Si j'ai raté la tour, j'ai lose. Ah, mais je crois que la bûche finit. Ah, la bûche finit. Hein. C'était showtime. C'était showtime. Ok, rien n'est terminé. Game est terminé, je vous le dis les gars, la game n'est pas finie. Esquive. Parfait. Avec un peu un petit cochon. Il va sûrement mettre un électro sorcier, donc on peut se permettre de boules de feu. Ok, il a mis bien plus tôt que prévu, c'est pas prévu aussitôt. Ok, mettre le canon ici. Hop. Ok, là c'est la débandade là. Mettre double mousquetaire, double bouliste et tout là. Ok, un boule de ça. Qu'est-ce qu'il branle? Il a encore mis clic? Je pense qu'il voulait mettre un chuchu. Hein. Bon, heureusement qu'il misclique. Hein. Heureusement que c'est un misclicker. Parfait. J'ai eu chaud là. J'ai eu très chaud. Hop. Parfait. Ok, on peut aller mettre une petite bûche en plus. Pour les squelettes. Est-ce qu'on peut quand même mettre des dégâts? Non. Ok, très bien. C'est pas grave. Hop. Ok, là, on sait qu'il va mettre un gel. Il tente un gel. Et nous, on est prêts. Hein. Sur la défense, on savait qu'il allait mettre un gel. Vous l'avez entendu. De toute façon, je vous ai dit qu'il allait mettre le gel. C'était obligé. Hein. Il n'avait pas le choix de mettre le gel. Là, on a une bonne boule de feu. On va essayer de la prendre. Ok, on a une double mousquetaire. On va essayer de mettre celle-là. Oh, regardez. Il fait encore l'erreur de mettre un cimetière sur mes mousquetaires. Je sais pas pourquoi. Tant mieux, ça me va. Pas me plaindre. Là, faut commencer à gratter. Il a dû se dire, hop, on arrête les conneries. Voilà, les gars, je vous avais pas dit que c'était jamais terminé. Oh, les remontadas. Oh là 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 là. Oh, la game de fou furieux qu'on a fait, les gars. La game de fou furieux. C'est un truc de ouf. Genre, vraiment. On a fait une game juste parfaite. C'est carrément faux, quoi. On a carrément fait de la merde tout le long. Et la fin, j'ai réussi à me rattraper. Je sais pas comment, mais c'est incroyable. Allez, c'est parti contre Monsieur Cool. Ok. Come on, baby. T'inquiète, j'arrive. Ok, on met une petite squelette au cas où il y a une tornade. Ça fait pas mal ça. Ok, il n'y a pas de tornade le frérot, il a juste pas le temps lui, c'est pas la même chose. Ok, on peut se permettre de boule de feu. Oh là là, la bonne boule de feu, on a une bonne bûche derrière. Oh là 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 là, décidément. Quel joueur. Ok, on a le gun de glace. Et voilà.
tranquillement bavarder des billes de combat, esprit de soin, défendu, avec succès. Donc après se mettre un petit cochon ici en pression. Pour voir ce qu'il joue. Hein. Et là je sais qu'il est serveur d'élite, mais il les a plus. Ça c'est chiant. Hop, on a une bonne boule de feu. Et on va mettre la bûche, j'ai pas le choix. Et ça c'est le placement de squelette pour pas prendre de coups de voleuse, même s'il n'y a pas de bûche. Ok, c'est carrément pas le bon placement. Trop tard. Ok, c'est bon. Heureusement que j'ai mis de la bûche du coup. Ok. Le fantôme, l'organe de classe. Et là on sait qu'il y a les barbares d'élite, mais c'est pas grave. Ok, il a essayé de forcer. Là, mettre beaucoup de coups, c'est pas mal. Ok, parfait, on a fait une bonne défense. Vous voyez que là, on a tout en 2200 et lui, il a que 1500, sachant qu'on avait déjà du retard. Donc ça, c'est le placement de squelette, les gars, pour pas prendre un coup de voleuse. Alors, on prend pas de coup de voleuse si la voleuse est du même niveau que la tour. Sinon, on prend des coups. J'avais oublié de vous préciser ça. Ok, on met le gun de glace. Plus le cochon, ça c'est le placement pour... Et voilà, ça... Ça reste collé. On va mettre deux coups de cochon grâce à ça. On a le canon, l'esprit. On a les squelettes. Ainsi que le golem de glace. Parce que attention, on a quand même du monde sur le terrain. On a quand même du monde sur le terrain. Tente un pré-shot, on va tout de suite aller boule de feu, ça évidemment. On savait qu'il y avait des spams. Ok, parfait. On va lui mettre une bonne bûche ici. Parfait. On a le cochon ici qui est le mauvais placement. Dommage, j'ai pas fait le bon timing. Normalement, qui m'a un coup, parfait. Et là, on a juste la boule de feu pour les terminer. Parfait. Ah ça c'est une game juste parfaite cette game. Cette game avait pas très peu de bavure, c'est pas mal. Hop. Et voilà. Voilà comment gagner un prix spam. Avec des barbares d'élite, des trucs, des machins, des choses, blablabli, blablabla. Et puis voilà. Ok les gars, tout compte fait, on se refait deux petites games supplémentaires, nous sommes à 6000, nous avons un petit peu monté le compte entre temps pour vous trouver de meilleures games tout simplement. Il est actuellement 2h18 du matin, je suis explosé au sol, j'ai totalement cette game pour aller dormir. Voilà, petit résumé en deux spi. Bon allez, alors ça c'est pas gentil. Voilà, Papito. Voilà, on se prend deux coups. Let's go. Bon, on va aller partir. Petit cochon ici, tranquillement. Allez, hop, ça part. Allez, cochon qui va aller mettre un coup, là. Voilà, c'est beau, ça. Vas-y, cloche au but. En plus, on pré-shot un squelette, mais pas deux. Ah, mais il joue 2.6. Ouais, non. Ah non, elle a une Tesla. Vas-y, on va avec un canon. Ça, il peut pas cochon. Ah ouais, je suis trop intelligent. Ah. Et bah, il peut cochon. Let's go. Oh oui. Oh oui, ça focus. Let's go. Oh bon sang, je mettrai pas de coup quand même. Ça change rien. J'ai mon canon. Pas cochon. Je sais pas ce qu'il branle, hein. Oh, ouais, esprit, c'est pas mal ça. Voilà, t'es relou à cochon comme ça, par contre. Attendez, hop. Ah, nickel. Xanaki à tour du roi. Voilà, on défend tranquillou. Sans prendre de dommages. Pas mal ce qu'on vient de faire là. Je pense. Il y a grave moyen de moyenner là. Ouais, sur la droite, c'est pas mal là. On a mis... ok, bon là je pense que je peux choisir le côté, tout ça c'est carré. J'ai envie de partir sur la même ligne que lui quand même. Hein. Ok, j'ai pas partir sur la même ligne que lui. J'ai raté mon cochon. J'ai pas raté mon cochon.
Bah elle y va. Vas-y, écoute comme ça. Go solo, cycle. Vas-y, go bûche. Hop. Bah après, c'est qu'ils saisissent dans le vent et moi je peux pas faire grand chose. Un vrai plaisir. Et bah yes. Ok. Pas passé comme prévu. Hop. Carré ça. Ok, une bonne BDF là. Hop. Parfait. Yes, il vient de tout clear avec une bûche là. Let's go. Vas-y, go partir là. Hop, on a une bonne bûche. Par contre, frère, le but c'est pas de faire une collection de Tesla, hein. Franchement, on peut s'en passer ta collection de Tesla. La vérité, on peut s'en passer. Par contre, en fait, le problème c'est que là c'est la giga sauce parce que j'arrive pas à attaquer. Et je prends quand même le coup. Ah ouais. Vas-y, go, essaye de tenter un truc. Vas-y, ça me désespère ce jeu, frère. Je prends des match-up de merde. Le mec il s'y cycle comme un gros chien là. Aïe 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 le niveau. Et je peux rien faire. C'est un vrai plaisir. Ça fait deux fois que je me fais fréchette comme ça. Et ouais, ça me casse les couilles, je peux rien faire. Ça va le carry, elle carry trop, ça Tesla elle carry tout, il y a trop de trucs qui carry trop là. Ça me gave. Voilà, pré-shot. Ouais, et voilà, il est déjà recyclé sa Tesla là. Allez. Peut-être en train de notre cycle là. Là. Il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose là. Oh oui. Non. Non, 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 non. Frère, je l'avais fait. J'ai pas de chance. Ça me casse les couilles. J'avais tout fait. J'avais tout bien fait. À la fin, je l'avais niqué et tout. J'ai trop le mort. Non, non, sérieusement, les gars. Soyons plus sérieux. 5 secondes, j'ai pas de chance. Vraiment. Non, mais là. Ah non, putain. J'étais pas sortir. Oh, c'est terrible. Ouais, du coup, dernière game, je vais préciser. Hein, là, ça me fout juste le sub. Là, j'ai pas vomito. Ah ouais, évidemment, c'était pas un graveyard master. Là, putain, joueur cimetière de mort. Je suis un joueur cimetière, mais ça me gave. Vas-y, c'est bon. Laissez-moi à The Bilamouche. Ouais, mais là, Mousseter va mourir en plus. Alors, relou ça. Oui, tab, tornade. Aïe 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 aïe. La dépression, la dépression. Bah, go gratter à l'esprit, à la bûche. Ouais, mais s'il me laisse même pas faire ça. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? S'il me laisse même pas pouvoir gratter à la bûche. Aïe aïe aïe. Bon, ouais, là, il est un peu con, mais. Ouais, la mousquetaire qui va faire son taf. Ok, à prendre 0 dommage. C'est pas mal. Le problème, c'est que là, il a déjà recyclé, non? Ouais. Peut-être il a pas recyclé, peut-être il a pas recyclé. Ah, il a pas recyclé, c'est une bonne nouvelle, ça. Il a recyclé, mais pas vraiment, quoi. Il a recyclé la moitié, quoi. Voilà. C'est carrément pas mal. Voilà, il a pas recyclé, par contre. Là, il a carrément pas recyclé, quoi. Je suis sûr qu'il a pas de tornade. Alors là, le seul souci qu'on va avoir, c'est la défense. Ouais. Parce qu'on va pas avoir beaucoup de soucis. Mais là, on a un souci, là. Et un vrai souci, là. Non, ça va, j'ai bien défendu. Je sais pas trop comment, mais... En vrai, j'ai bien défendu, je trouve. Y'a moyen, si on fait un truc comme ça, ça marche ou pas? Oh non. Ça veut pas, hein. Et là, je crois que je vais me mettre dans la sauce ultra connement, genre. Ouais, là, c'est la sauce, hein. Pas de tête, si en cochon.
Y a moyen de tenter un truc là. Ah, ça putain de bébé dragon noir là. On fait des belles games, hein, mais et c'est pas mal. Ok, c'est pas mal du tout. Ok, attendez. Peut-être le cochon. Le cochon qui a pas envie de connecter. Ok, c'est bon, ça défend tranquille. Vous poussez pas pour... non, mes frères. Attendez. Non, mais ça fait deux games qu'on perd à rien. Oh, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser, frère. Ça fait deux games, on perd à que dalle. Deux games, on perd à rien. Genre, même rien, c'est pas assez. Non, j'ai pas de chance. Bon, les gars, pour tous ceux qui ont cela, déjà, merci. Et n'hésitez pas à marquer hashtag unlucky. Ça me soutient, ça me fait plaisir. C'était vrai, cool. Ciao, ciao.